Je déteste les exposés, puis encore plus les visites au musée. Moi, je trouve ça très intéressant, la Nouvelle-France. En plus, c'est nos origines. Mais de quoi on va parler exactement? C'est large, la Nouvelle-France. Regarde, elle ressemble à une guide. Elle pourra sûrement nous renseigner. Madame? Oui? Madame, on aurait besoin de renseignements sur la Nouvelle-France. La Nouvelle-France? Mais comme vous voyez, toutes les œuvres sont dans la Nouvelle-France. Mais il n'y a qu'un seul tableau qui me semble important. Une œuvre unique en son genre qui a marqué l'époque. Eh bien, le seul tableau représentant la cour du roi. Laissez faire, madame, là. On a juste à improviser. Je déteste les exposés. Improviser? Ben non, on doit être bien préparé. Mais de quoi on va parler exactement? C'est l'Arche de la Nouvelle-France. Ce tableau est très intéressant pour votre exposé. Il a été réalisé par un de mes ancêtres, Ludovico Tournedos. Ce tableau a marqué le temps. Celui-ci a été banni de France et pendant plusieurs années, le roi lui a interdit de peindre. Votre ancêtre avait énormément de talent. Je me sens comme attirée par cette toile. Je veux juste m'en approcher. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui vient de se passer? C'est impossible, nous sommes en train de rêver. On va parler exactement. C'est l'Arche de la Nouvelle-France. Regarde autour de toi. Mais c'est qui tous ces gens? Les deux jeunes là-bas. Vous les reconnaissez? Ils étaient à notre école. Salut. Je vous reconnais. On était à la même école il y a 2 ans. Bienvenue en Nouvelle-France. C'est magnifique ici. Les gens sont intéressants, la nature, les champs. Santé, santé. J'adore l'air frais. Arrête, moi c'est Justin. Elle c'est Taina. Venez d'arriver, c'est ça? C'est normal que ça fasse un choc. Nous, ça fait 2 ans qu'on est là. Et on n'a toujours pas compris pourquoi. C'est pas vrai, ma télé me manque déjà. Puis mon internet aussi. Waouh, ça m'intéresse la Nouvelle-France. Et là, on est en plein dedans. Mais de quoi on va parler exactement? Pour l'exposé. C'est l'Arche de la Nouvelle-France. Arrête avec l'exposé, on a plusieurs gens à régler. Mais vous n'avez aucune idée de ce qui est arrivé? Je ne veux même pas le savoir. J'aime trop ça ici. C'est grand, c'est beau. Regardez là-bas, c'est le moulin du Meunier. Ici, c'est le marché. Regardez l'église gigantesque, elle est tellement belle. Là-bas, c'est les terres à pilons. Et juste un petit peu à droite, c'est celle à Lafleur. L'autre côté, c'est à Tuga. Puis celle-là, c'est celle des Séguins. Aucune idée de ce qui a pu nous arriver. Nous visitions un musée avec une guide bizarre et on s'est ramassé ici. D'un coup... La toile... Merci, Juliana. Bruno. Oui? Pourquoi tu peins plus? C'est une longue histoire, si tu savais. Je ne peins plus parce que le roi de France m'a interdit de peindre. C'est si grave, Bruno? En fait, il m'a placé ici sous la tutelle du curé. Ce n'est pas si grave. Disons que la reine en a décidé autrement, mais ça ne méritait pas l'exil. Je me souviens quand j'étais petite, j'adorais te regarder peindre. Bonjour Juliana, bonjour Ludovic. Bonjour Monsieur le curé, quel bon vent vous amène.
Bien, je vais vous dire un truc que vous allez être très surpris. Le roi va venir en Nouvelle-France. Le roi en Nouvelle-France? Êtes-vous sérieux? Oui, très sérieux. Et vu que vous avez fait du très bon travail durant toutes ces années, je vais lui demander de faire en sorte que vous puissiez faire à nouveau. Vous n'êtes pas sérieux? Oui, je suis très sérieux. Comment vous... Je ne sais pas comment vous remercier. Mais vous êtes un très bon ami, c'est la moindre des choses. Ça va faire, là! Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Arrête! Non, j'aime mieux notre chambre. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. C'est moi. Bon, passons aux choses sérieuses. Nous avons beaucoup de choses à régler ici, en Nouvelle-France. Bon, passons aux choses sérieuses. Nous avons beaucoup de choses à régler ici, en Nouvelle-France. Nous pourrions augmenter la population. Et comment fait-on cela? En emmenant des gens de France ici, en Nouvelle-France. Nous allons emmener des gens de France ici, en Nouvelle-France. Avez-vous faim, soif, besoin de repos? Nous pourrions augmenter les taxes. Comment fait-on cela? Augmentons les taxes sur tout et pour tout. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. C'est moi. Nous allons augmenter les taxes sur tout et pour tout. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. C'est moi. Bonjour mon roi, bonjour ma reine, bonjour mon conseiller. Comment allez-vous? Bien et vous? Je viens ici pour vous demander de faire en sorte que vous puissiez libérer Ludovico Tournedos, le peintre que vous avez exilé il y a plusieurs années. Non, cet homme ne peindra plus jamais. Il a fait honte à notre famille. Il restera ici en exil avec vous à jamais. Suis-je assez clair? Vous en êtes sûr mon roi? Est-ce que vous avez bien compris? Maintenant, sortez d'ici. Surveillez ce peintre, qu'il ne peigne plus jamais. Au revoir, monsieur le curé, qu'on vous revoit. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. C'est moi. Désolée de vous avoir importuné, ma reine. Je m'excuse. Et je m'en vais. Depuis 2 ans, je cherche une réponse, mais toujours rien. C'est impossible, ça peut pas être la toile. Un tableau, ça fait pas ça. Tout est possible. Ce serait intéressant de comprendre comment une toile peut aspirer des gens. Le roi et sa cour sur la toile, ça pourrait être notre sujet. Commençons par trouver le roi. Il va nous prendre pour des fous, il nous croira jamais. C'est fou tout ce que j'ai appris ici en 2 ans. Est-ce que vous saviez que là-bas, il y a des super grandes seigneuries? Et l'autre fois, j'ai vu un monsieur en train de défricher. Ça avait l'air vraiment dur. Waouh, c'est intéressant. S'il te plaît, si t'aimerais rester. Moi, je m'ennuie de chez moi. Moi, je pense qu'on devrait en profiter. L'argent n'aura jamais cette chance. De toute façon, nous sommes pris ici. Autant se faire à l'idée tout de suite. Au début, c'était un peu plus difficile, mais maintenant, je m'y plais bien. C'était quoi le nom du peintre, déjà? La guide nous a parlé de Tournedos. Mais notre sujet, de quoi allons-nous parler? Si on sort pas d'ici, on n'aura pas d'exposé. C'était Ludovico, il me semble. Ça donne rien de chercher. On est prisonniers, c'est tout. J'ai plus envie de chercher. Hey, j'ai une idée. Le curé, c'est un amateur d'art. Il héberge un certain Tournedos, il me semble. Allons voir. Il est super gentil. Il va nous aider, j'en suis sûre. Il connaît notre situation.
Je m'y attendais. Le roi m'en veut. Comment a-t-il pu refuser ma libération? Je ne comprends pas, maman. Expliquez-moi. Il y a plusieurs années, j'ai peint le portrait de la cour. Et la reine... J'ai un ami qui m'aime, c'est Jésus. Nous avons besoin de parler au curé. C'est très important. Nous avons besoin de son avis. Qui vous parle au fond? Mais on vous reconnaît. C'est à cause de vous. Vous aussi, vous avez été aspiré ici, en Nouvelle-France? Vous pourriez être le sujet de notre exposé. On est pris ici. Notre exposé, peut-être qu'on ne fera jamais. Madame la guide, vous pouvez peut-être nous aider à rentrer? Une guide, moi? Non. Vous savez, on vous a déjà expliqué d'où on venait. Oui, et nous n'avons malheureusement pas trouvé le moyen de vous renvoyer à votre époque. Vous savez que j'aime ça ici. Je me reconnais dans cette époque. Mais là, on a un petit problème. Il y a 5 autres jeunes qui viennent d'arriver. Ils viennent de la même époque que nous. 5? Mais comment Dieu cela peut-il être possible? Puis je les vois. Ils sont avec nous. Tout ça est relié à une toile. Une toile? Oui, ces jeunes ont vu la même toile que nous. C'est le dernier souvenir qui reste de notre époque, et nous aussi. C'est une toile d'un certain Tourne-Dos. Mais c'était possible! Le roi lui a interdit de peindre. Allons le voir. Je ne peins plus depuis des années. Oh, votre histoire est difficile à croire. De toute façon, le roi a refusé la requête du curé. Je suis un peintre déchu. Oh, la reine, vous saviez, il y a quelques années, j'ai peint le portrait de la cour, puis elle n'a pas apprécié son portrait. Elle m'en veut. Elle est très en colère. La toile, la vraie, est magnifique. Elle a marqué notre époque. Sans cette toile, il n'y aurait pas de portrait du roi. Je viens de parler à notre Seigneur. Si cette toile a existé, elle existera. Parole du curé. Ah, aussi, je vous préviens, la reine, c'est une vraie diablesse. Alors, si j'étais vous, je ferais bien attention. Ok? Je peux te reprendre. Moi, c'est là. Enfin, je peux vous préparer un repas. Je ne suis pas très bonne en cuisine, mais je peux essayer. Un grilled cheese du. D'accord. Elle est jolie cette chambre, vous ne trouvez pas? Agréable, spacieuse, lumineuse. Non. J'aime mieux notre château. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. C'est moi. Bon, passons aux choses sérieuses. Nous avons beaucoup de choses à régler ici, en Nouvelle-France. Bon, passons aux choses sérieuses. Nous avons beaucoup de choses à régler ici, en Nouvelle-France. Mon roi, le curé et des jeunes demandent à vous voir. Êtes-vous prêt à les recevoir? Non. Non. Oui. Oui. Non. Non. Oui. Oui. Non. Non. Oui. Oui. Non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui. Ce n'est pas très clair. Vous, encore, vous allez regretter votre audace. Vous aussi, vous finirez en prison, monsieur Tourne-Dos. À votre place, mon roi, j'écouterai le curé et ses jeunes enfants. Vous, taisez-vous, je suis la reine. Et moi, le roi, j'en ai assez de vous. Je demande le divorce. Vous resterez ici, seul en Nouvelle-France avec votre miroir. Mais... Il n'y a pas de mais. Je ne veux plus vous voir. Vous ne méritez pas d'être sur le trône. Garde, emmenez-la. Bravo, mon roi, vous m'impressionnez. Merci, Cosi. Maintenant, expliquez-moi tout. La toile. Tout ce que je demande, c'est de peindre à nouveau. Laissez-moi peindre votre portrait et libérons ces enfants. Faisons cela. Je veux qu'il reste un portrait de moi dans l'avenir. Et vous, voulez-vous devenir la reine? Le trône est libre.
Et vous tous aussi. Venez, vous ferez partie du portrait. Ça y est. J'espère que ça marche. Mon roi, vous serez le sujet de notre exposé. Merci, monsieur Ludovico. Ça fait plaisir. Du plaisir pour moi. Moi, j'aimerais bien rester ici. J'aime bien cette époque. Je me reconnais ici. Tu es sûre de vouloir rester ici? De toute manière, la toile existe maintenant. Alors tu pourras revenir quand tu voudras. Mes amis, Dieu vous accompagnera pendant ce voyage. Mais où êtes-vous? La toile de mes ancêtres a changé. Vous en faites maintenant partie. Mais c'est impossible.